Good morning, Aleiden, l'étude aujourd'hui, le Nishmat, mon rêveur Bishmuel ben Shlomo Zalman, Yaakov ben Aisha, Nissim ben Ahuda, Sarah Batra Rachel, Shlomo ben Esther et Risha Batrim Nechevia, ainsi que le Fouat, Avraham Uri ben Reut Betor, Charles Chol Israël. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Zevachim, Berek He Mishna Aleph, Eizehu Mekoman Shel Zevachim, Kodshe Kadashim, Shechetatan Metsafon. Par Vesahir Shalyom Akepurim, Shechetatan Batsafon, Vekibul Daman Bichle Sharet Batsafon, Vedaman Taun Azaya, Al Ben Abadim, Vala Ponchet, Vala Mizbah Hazav, Matana Hatman, Makevet, Shahadam Yashofer Hanesod Maravish and Mizbah Hachitson, Imlo Natan, Lo Ikev. Bon, on va commencer le chapitre très connu de Ezou Mekoman Shal Zevachim, qu'on lit le matin dans la Tfila avant de commencer Odu. La fin des korbanot, c'est avec ce pérec-là, où on va passer en revue tout le korbanot, en définissant les lieux où il faut les égorger, le nom, le temps que l'on a pour les consommer, le lieu pour les consommer, c'est quelque part la suite logique de tout le pigoul et tous les psoulim qu'on a pu évoquer. Jusqu'à maintenant, on a dit, au-delà des limites de temps, d'espace, va venir ce pérec maintenant pour nous définir tel korban, telles sont ses limites de temps, telles sont ses limites d'espace. En nous les classant aussi, c'est déjà... En nous disant précisément où il faut donner le sang, l'asperger, et ils vont tous être classés, tous les korbanotes qu'on va rencontrer, ils vont tous y passer, on va tous les classer selon leur niveau de gdusha en fait. On va commencer avec le premier qui est le plus kadosh, et au fur et à mesure on va descendre le niveau de gdusha de manière générale maintenant. Il y a ce qu'on appelle les kodshe kodashim, d'abord premièrement je m'excuse, l'idéal aurait été que je vous fasse un tableau, je vous fasse un petit dessin. Le problème est qu'il est tard et que les enfants dorment déjà, je ne sais pas où ils ont mis les feutres. Donc, ce sera reporté pour le prochain cours. Concrètement, en tout cas, il faut savoir, il y a des korbanot qu'on appelle les kodshe kadashim et les korbanot qu'on appelle les kodashim kalim. La différence essentielle, elle est sur le lieu de consommation. Qui mange et où on mange? Les kodshe kadashim, ils sont les saints des saints, ils sont super saints. Et... quand, toutefois, on a le droit de manger, c'est uniquement les Kohanim qui en mangent dans l'enceinte du Beth Amikdash. Tandis que le Kodashim Kalim, les Kodashim légers, ils sont plus légers, ils sont plus donnés au peuple, quelque part, ils pourront être consommés dans tout Yerushalayim. Et même être consommés même par le Ham Israël. D'accord? C'est plus... d'accord? Un niveau de sainteté moins grand. Maintenant, à l'intérieur des Kodashim, il va y avoir plusieurs niveaux qui vont être définis plusieurs niveaux de Gdusha, en fait, ils sont tous considérés comme Kodesh Kodeshim, mais en tout cas, il y aura des korbanot où il va falloir asperger le sang sur le Mizbeach Hachitson, il y a des fois où il faudra mettre le sang en bas du Mizbeach, des fois où il faudra verser le sang sur le haut, la partie haute du Mizbeach, des fois le sang, on ira le verser plutôt à l'intérieur du Echal, et même dans le Kodesh Kodeshim, comme c'est le cas du premier korban. C'est clair? Ouais. Maintenant, juste, je vous donne un petit peu les directions du Mizbeah, du Beth Amikdash lorsqu'on rentre. On rentre depuis l'est et on se dirige vers l'ouest. Ça veut dire si jamais je viens par le grand Shahar, je ne sais plus comment il s'appelait, le grand portail du Beth Amikdash, je vais entrer comme ça, je vais passer par l'Aizrat Nashim et je vais rentrer dans l'Aizrat. Je suis en train de me diriger de l'est vers l'ouest. Ce qui signifie que lorsque je vais entrer maintenant dans la Ezrat Akonim, Ezrat Israël, Ezrat Akonim, là-bas se trouve le Mizbeach, l'autel, alors, donc je vais entrer dans l'Est, il y aura devant moi, derrière ce grand autel, il y aura derrière moi le Kodesh HaKodashim, le Kodesh, le Echal, avec devant le gros Mizbeach, donc là je suis en direction de l'Ouest devant moi, et si ça c'est l'Ouest, donc ça signifie qu'à droite c'est le Nord. Ça c'est le Nord, et donc à gauche c'est le Sud. Et, c'est important de savoir, on monte sur le Mizbeach par le Sud. Donc en fait, si je récapitule, il y a la Hazara. Ouais, la Hazara c'est la grande cour là-bas où ça se passe, là où on égorge les korbanot. Il y a donc le Mizbeach qui est au milieu, hein, plus ou moins au milieu, pas exactement centré exactement au milieu, mais plus ou moins au milieu. Et un gros morceau. Il fait l'équivalent de 28 amot, 32 amot de longueur et de largeur. Et le kevesh aussi, c'est la rampe pour monter, c'est aussi 28 amot, c'est aussi 32 amot. Donc tout ça, ça se passe, le kevesh, il est sur le sud. Tandis que sur la partie nord, c'est
relativement vide, il y avait juste là-bas un lieu où c'était plus facile pour égorger, il y avait ce qu'on appelait les tabaot. On aura l'occasion de voir tout ça lorsqu'on arrivera dans la Sechet Tamid, d'accord? Maintenant, la Mishnah va commencer à nous dire, sache que les Kodeshe Kodashim, Shritatan, Batsafon, Kodeshe Kodashim, tous les korbanot qui sont très saints, ouais, Kodeshe Kodashim, alors ils le sont, ils doivent nécessairement être égorgés, Batsafon, au nord, c'est-à-dire dans la partie nord. Vous prenez la moitié du Misbéar, la partie de droite, lorsque vous entrez dans la Hazara, alors ce sera toute la partie de droite, ils doivent être dans cette partie de droite et pas dans la partie de gauche de l'autre côté. Si on l'a gorgé ailleurs, le korban il est invalide. D'accord ? Veshachat oto al yerech hamizbeach tzafona lifnei hamizbeach. Tzafona lifnei hamizbeach. Au nord de qui est à côté de, du pnei hamizbeach. D'accord ? C'est clair ? On fait ça dans les mots. Ezou mekoman shel zebachim. Quels sont les lieux où on égorge les korbanot, où on sacrifie les korbanot ? Kodeshe kadashim shritatan batzafon. Les Kodeshe Kadashim, ceux qui sont les korbanot saints des saints, les très saints, les korbanot, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas pouvoir ensuite être consommés en dehors de la Hazara, alors ils doivent être égorgés nécessairement Batsafon, au nord. Ça, c'est une généralité pour tous ceux qui vont suivre. Et donc la Mishnah, elle va commencer à nous les évoquer. Les Kodeshe Kadashim, à plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le Par Vesahir, Shel Yom HaKippurim, et il y a ensuite, il va y avoir les Chataot HaPnimiyot, ce sera la Mishnah Bet. Après il y aura le Khatot, Khataot, Hacham, Ola, Ola, Hacham. D'accord ? Comme ça on va les classer. Tout ça c'est la famille des Kodeshe Kadashim. Maintenant, une fois qu'on a dit la généralité qui sont tous égorgés dans le nord, on commence à les évoquer un après l'autre avec du plus solennel au un peu moins solennel. Par Vesarir Shaliyam Akeporim, Shritatan Batsafon. Ça c'est le Korban où le sang il est aspergé au lieu le plus saint possible. C'est qu'on va entrer dans le Echal. Ouais, c'est la Parasha Tachavua qu'on a lu aujourd'hui d'ailleurs. C'est un bon signe pour les Israéliens uniquement. Pour les Français, je crois qu'on a une Parasha d'écart. En tout cas, Par Veser Shliyom HaKippurim, Shechitatan Matzafon, le Par à Yom Kippur, pour faire la Avoda du Yom Kippur, alors il faut apporter un Par et un Sa'ir, et prendre son sang et aller l'asperger. Le saïr, c'était pour l'âme Israël. Le par, c'était du Kohen Gadol. Il fallait entrer à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim. Et là-bas, aller entre les deux badim, entre les deux manches du Aaron, et asperger là-bas le sang. Achat lema, achat lema, la vesheva lemata. Et... ouais. Au contraire, je ne sais plus. Comme ce qu'on dit à Kippour dans la voie, quoi. D'accord ? En tout cas, et on aspergeait là-bas le sang. Après, il quittait le Kodesh HaKodashim, il donnait encore du sang là-bas sur la Parochet et sur le Mizbeach Hazav. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit. Par Vesahir Shaliyom HaKippurim, le par, le taureau, et le sahir, le bouc que l'on fait à Yom Kippur, Shritatan Metzafon, ils doivent nécessairement être égorgés au nord. Vekibul Daman Bichlesharet Metzafon, attention, même la réception du sang doit être réalisée lorsque l'on est encore au nord. C'est-à-dire, si toutefois on manquait de place, on a pris le korban, on est parti dans la partie sud, et qu'on a reçu là-bas le sang, on a invalidé le korban. Il faut nécessairement que ce soit Batsafon, Shrita et Kabbalah. Ensuite, Vedaman Taun Azaya al Ben Habadim Val Aparochet Val Mizbach Azahav. Le sang devait être aspergé dans trois lieux. Tout d'abord, leur sang, Taun Azaya, a besoin d'être aspergé. Les Hazot, c'est aspergé. Al-Ben Habadim, entre les deux Badim, les deux manches du Aaron, donc là on entrait dans le Kodesh HaKodashim. Et aussi, à la Parochet, vers la Parochet, et sur le rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim du Echal. Et aussi, lorsqu'on est dans le Echal, il fallait la blasperger. Donc sur la Parochet, à l'extérieur. Et en plus de ça, Valmisbach Azaav est sur l'autel en or, c'est-à-dire l'autel de l'Actoret, qui est à l'intérieur du Echal. On faisait là-bas, on le compte, je crois qu'il y a 41 aspersions, si je ne me trompe pas, entre 40 et 42, c'est écrit méforage dans le Rambam. Ok ? Ensuite, la Mishnah continue à me dire, attention, Matana Achat Me'en Me'akevet, un seul Matan Damim, même qui n'a pas été donné comme il se doit, là où il faut, alors c'est Me'akev, ça annule qu'on n'a pas accompli la kapara. On avait déjà évoqué le sujet plus haut avec la marquette Béchamay Bet Hillel.
On ne va pas revenir tout de suite dessus. Pour le moment, on se contente juste pour dire que Matana Achat Men Me'akevet, même un seul don de sang invalide le korban. C'est-à-dire, si je t'ai demandé de l'asperger l'équivalent de 41 fois, je crois, 40 fois, peu importe, eh bien, sache que si tu as fait que 39, tu ne t'es pas acquitté. Et donc, il faudra apporter un autre korban et le faire si toutefois tu n'as pas fini. Parce que tout ça, c'est l'aspersion qui doit être faite de la sorte. Ensuite, une fois qu'on avait fini d'asperger, pour asperger, comment ça se passait? Il avait un récipient où il recevait le sang, il y avait une forme de flûte un peu comme ça, comme les flûtes à champagne, longues, et là-bas il réceptionnait le sang, et il tenait la main gauche, il trempait le doigt, il aspergeait comme ça avec le doigt. Maintenant, lorsqu'il a fini d'asperger, il lui reste encore plein de sang. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce sang qui lui reste dans le verre, dans cette petite flûte? Alors, Matana, Khatmen, Me'akevet. Un don de sang qui n'a pas été donné là où il fallait, c'est Me'akev, ça invalide. Maintenant, Sheyare Adam, Ayashofer, Aliesod, Ma'aravi, Shel Mizbeach, Chitzod. Sache que le reste du sang, les Sheyare Adam, Ayashofer, il l'est déversé, Aliesod, Ma'aravi, sur le Yesod de l'ouest. Shel Mizbeach, Chitzod. Du Mizbeach Haritzon, donc le Mizbeach Haola qui était à l'extérieur de la cour. C'est-à-dire, c'est très simple, on avait déjà évoqué qu'il y a deux autels. Donc quand on parle du Mizbeach, il y a deux autels. Il y a l'autel où on fait tous les animaux en général, on les fait brûler, tout ça, c'est l'autel qui est dans la cour, l'autel gigantesque de 32 mètres, 16 mètres, 32 amotes quoi, 10 amotes de haut, donc ça fait l'équivalent de 5 mètres plus ou moins. Ça, c'est l'autel où on fait tous les corbanotes. Et à part ça, il y a le petit autel qui faisait une amma sur une amma, c'est relativement petit. Il était à l'intérieur du Echal, là-bas on aspergeait, on faisait les encens. Là-bas il fallait aussi asperger, là en l'occurrence. La Mishnah vient et me dit, sache qu'une fois que le Kohen il a fini de faire tout ce qu'il devait faire à l'extérieur, à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim et du Echal, d'asperger là où il devait faire, il ressortait de là-bas avec le sang dans les mains. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce sang? Il allait le verser sur le Mizbeach HaChitzon, l'autel qui est externe, qui était dans la cour. Et là-bas, il partait le verset sur le Yesod Ma'aravi. Le Yesod, c'est le socle. Bezat Hashem, pour demain, j'espère que j'aurai le dessin, je vais vous expliquer comment ça se passait, c'était pas compliqué. Là-bas, il y avait le socle du Mizbeach. Parce que le Mizbeach, c'était pas un morceau qui montait en 10 mètres, en 10 amotes. Il montait une amma, il rentrait un petit peu, il montait encore. Et comme ça, il faisait deux, voire trois escales comme ça. D'accord? C'est-à-dire une fois une amma, une fois six amma. Et après, comme ça, après, il y avait là-bas les coins du Mizbeach. On aura l'occasion d'en reparler plus longuement, mais en Hashem plus tard. Et donc, la Mishnah m'enseigne que lorsqu'il sort donc, du Echal, vous vous rappelez, je vous ai dit que quand on rentre, on va en direction de l'ouest. Donc, la partie du socle du Mizbeach, qui est la plus proche de la sortie du Echal, elle est à l'ouest. D'accord? Puisque, donc je rentre de l'est, je me dirige vers l'ouest, il y a d'abord l'autel devant moi, je le contourne. Je vais rencontrer la partie ouest de l'autel, elle va être juste en face du Echal. Donc de manière à ce que le Kohen Gadol qui va sortir du Echal, il va asperger directement sur l'autel, il va forcément rencontrer le Yesod Haderomi, le socle, la partie ouest du socle. Et donc là-bas, il va verser tous les restes du sang qu'il avait encore. Et si là-bas, dans ce socle-là, sur ce socle, finalement, il n'a rien donné. Il était tellement étourdi, il est parti ailleurs, il a renversé tout le sang, il n'a rien donné sur le Mizbeach HaChitzon. La Mishnah me dit, là, Loïkev. Pour ça, il n'a pas été Me'akev. Il n'a pas empêché, il n'a pas invalidé le Korban, c'est pas grave. Il y avait une mise à le verser, mais s'il n'a pas versé, ça n'invalide pas le Korban, tant que tout le sang, il a bien été versé comme il se devait, à l'intérieur du Echal. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Vatzlacha Kol Tov, c'est là.